Qu'est-ce qui va se passer là en gros aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez m'en dire deux mots Il s'est déjà passé pas mal de choses. Oui. C'est que le rallye est parti ce matin donc du restaurant La Rallye des Autos. Ils ont déjà fait tout un tour, ils ont été jusqu'au Datsiné. Et il y avait une halte à midi là-bas. Et maintenant, les voitures vont faire une halte goûter ici au musée Hergé. D'accord, d'accord. Il y aura combien de voitures à peu près? Alors, il y a 68 voitures inscrites. 68 voitures. Ouais. Là. Donc, elles ont toutes plus de 25 ans d'âge et commencent dans les années 30. Uh-huh. C'est un très beau plateau et l'arrivée se fait au jeu d'hiver ce soir avec un dîner et une remise des prix. Ah, d'accord. Et vous serez tous déguisés en Tintin ou il y aura... Tout le monde n'a pas forcément joué le jeu parce que c'est assez complexe. Mais il y en a une bonne partie, vous allez voir d'ailleurs. D'accord. J'imagine que vous ne les raterez pas avec votre caméra. Et alors les automobiles qui vont défiler, ça sera quoi? Quelle marque Il y a de tout, hein, des Bugatti, des Mercedes, quelques Porsche, des Austin Healey. Il y a un peu de tout, un peu de tout. Corvette, des Alfa Romeo, il y a vraiment de tout. D'accord, de belles voitures. Des Ferrari, il y a Maserati. Alors qu'est-ce qu'on a là comme automobile? Alors ici, on a une Bentley qui date de 1938 en réalité. Bentley était avant tout un motoriste qui faisait que l'on achetait chez lui un châssis et on allait le faire carrosser à l'extérieur en carrosserie été ou en carrosserie hiver. Ici, on a une carrosserie Vandenplas qui était à l'époque un des 160 carrossiers existants et qui a carrossé cette voiture. Et ce modèle-ci, non pas celle-ci spécifiquement, mais ce modèle a couru et remporté les 24 heures du Mans en 1928-1929. Voilà. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous.